Il est tout à fait possible de contribuer sur Wikipédia sans créer de compte. Néanmoins, pour suivre ce MOOC, il est fortement conseillé d'avoir un compte. Nous allons voir ensemble comment le créer. Lorsque vous êtes sur Wikipédia, cliquez en haut à droite sur le lien « Créer un compte ». L'inscription est très rapide, il n'y a que quelques champs à remplir. Le premier est très important, il s'agit de votre pseudonyme, votre pseudo, qui apparaîtra en permanence sur Wikipédia et servira à vous identifier. De nombreux Wikipédiens préfèrent utiliser un pseudo sans lien avec leur vrai nom. Pour cet exemple, je vais indiquer « Prof Wikimook ». Il est possible de changer ultérieurement de pseudonyme, mais la démarche est complexe, donc autant bien choisir dès le départ. Après avoir choisi un mot de passe, je vous conseille très vivement d'indiquer une adresse de courriel. C'est le seul moyen d'obtenir un nouveau mot de passe si vous perdez celui que vous indiquez maintenant. Cette adresse mail ne sera jamais rendue publique et vous pourrez la changer par la suite. Une fois que vous avez créé votre compte, pensez à consulter votre boîte mail pour valider l'inscription. Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation de Wikipédia, quelques minutes après votre inscription, vérifiez qu'il n'est pas dans l'onglet spam de votre boîte mail. En haut à droite de votre écran, vous trouverez un onglet préférences. Il permet de paramétrer votre compte et comporte plusieurs sous-onglets. Dans le premier, informations personnelles, notez que la case autoriser l'envoi de courriel venant d'autres utilisateurs est cochée par défaut. Cela permet à d'autres contributeurs de vous envoyer un mail via Wikipédia, c'est-à-dire sans connaître votre adresse mail. Dans le deuxième onglet Apparence, vous pouvez sélectionner votre fuseau horaire. Enfin, dans le sous-onglet Notification, un certain nombre de cases sont déjà cochées. À droite de Modification annulée, je vous conseille de cocher également la case de la colonne Web. Cela vous permettra d'être averti directement sur Wikipédia si un autre contributeur annule une de vos modifications. La colonne courriel sert à être averti par mail en plus des avertissements sur Wikipédia. Quant aux autres types de notifications, pas d'inquiétude, vous découvrirez leur utilité au fur et à mesure et vous pourrez modifier leurs paramètres ultérieurement si nécessaire. Pour finir, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les préférences » en bas de page. Votre compte est maintenant paramétré. Vous voilà prêt à contribuer.